walking together. And so you cannot be sat like the objectives of this training three. The first one is that we want to build the capacity of the council, and in this case, FunRead, because FunRead is the council for Burkina Faso. We want to build their capacity in research management, fundraising and grantmanship, gender mainstreaming in council internal processes, ethical issues in research and innovation funding. So we want to make sure that their capacities are built in this area because they already prioritize them as their training need areas. So we've brought a number of consultants, experts from around the world to deliver this training to the council. So the objective is to build their capacities in this area. Also, we want to prepare them in a way that in the near future, they should be able to train other councils, because we have the intention of bringing other councils from other West African countries on board. So it is our desire that very soon, FunRead will begin to impact other councils in West Africa. L'accès au financement pour la recherche aujourd'hui, plus que jamais, est très problématique. Parce que déjà, nous avons la situation sécuritaire qui ne rassure pas forcément les bailleurs pour financer la recherche. Il y a l'accès également aussi d'interventions qui posent un problème. Mais hormis ça, il y a quand même des ressources à aller chercher. Et pourvu que vous ayez quand même des projets qui démontrent la pertinence et votre apport au développement, il y a encore du chemin à faire. Mais également, je pense que nous avons besoin également des outils et d'avoir nos capacités renforcées pour pouvoir aller rechercher ce financement, malgré que de plus en plus ça s'amenuise. Cette formation, je pense que je n'ai jamais été autant bien outillée pour aller chercher de l'argent qu'à l'issue de cette formation, notamment la thématique sur la mobilisation des ressources. Déjà, en tant que chercheur, je pense qu'on a appris pas mal de choses parce qu'on nous forme pour faire la recherche, on ne nous forme pas pour chercher l'argent. Donc, on a besoin vraiment de ces genres d'activités pour nous-mêmes aller chercher l'argent au plan international surtout. Cette formation est déjà bienvenue puisque ça aborde les éléments très importants, notamment la mobilisation des ressources, les techniques de négociation des financements auprès des partenaires et également comment aborder des sujets qui peuvent attirer les bailleurs de fonds. Donc, à travers cette formation, on peut déjà capter ou orienter nos recherches vers les besoins réellement du secteur privé afin de les motiver à financer la recherche. Et également, ça renforce nos capacités en termes de formulation même des projets pour compétir à l'extérieur afin d'attirer d'autres fonds également de l'extérieur. Avec le FunRead a pour mandat de financer la recherche. Et qui parle de financer, il y a le volet fonds à mobiliser. Alors, c'est vrai que le gouvernement fait déjà des efforts en nous donnant un minimum, mais vu l'ampleur, vu la forte demande, alors actuellement le FunRead est débordé, si bien que le FunRead doit mobiliser des fonds à l'international pour un complément. Donc, ça fait que la formation qui est en train d'aborder la mobilisation donc, des fonds donc, vient à point nommé essayer de combler donc, ce vide. Et il y a également l'intégration de la dimension genre donc, dans la, disons, dans les techniques de mobilisation et également de financement. Donc, ce sont des nouvelles approches qu'on n'avait pas et que maintenant nous allons essayer beaucoup d'intégrer. It's so amazing. In fact, I want to say that so far, Burkina Faso participation has been the best so far because we've gone to two other countries and we are surprised to see almost everybody's here. All the participants that were invited are here and the participation is so, so excellent. You can see the active participation of members. You can see them asking questions,
sometimes even arguing with one or two issues. So it's really amazing, and I want to give kudos to the National Chapter Coordinator, Dr. Aminata Kabore, because when we started reaching out for this training, issues of other activities in the council was there, but she has to do what she has to do to make sure that everybody is brought on board. So we have men, women, people from different cadres, and also it's important to note that when we came earlier for the validation workshop, Fonrid mentioned the issue of staff turnover, people moving from Fonrid to other ministries. And we are happy to see that these other sister agencies are here, you know, to participate in the training, because that was one of the strategies that we put on ground to make sure that these people, as they come and go, they have these capacities to impact research and innovation funding in Burkina Faso. So it's so amazing.